Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti. Vous voyez, c'est un petit peu le « et c'est parti » énergique. J'ai des choses à vous montrer, Des choses, des délicieuses choses. Tout d'abord, armure en diams, les amis, si c'est pas magnifique, tout mending. Alors, moi, c'est écrit en français parce que je joue en français, hein, les amis. Donc, voilà. Mais nous avons protection 4, apnée 2, donc mending, hein, raccommodage, et affinité aquatique. Apnée et affinité aquatique, ce qui est génial pour aller sous l'eau. Nous avons un plastron, protection contre le feu. Ça peut être bien dans le nether, ça peut être bien, les amis. Mais épine, torn, donc, solidité 3 et mending. Nous avons le pantalon, solidité 3, protection 3 et mending. Donc les protections, après, je pourrais les rechanger. Je pourrais refaire des enchantements pour augmenter les protections ou soit mettre une protection 4. Mais contre le feu, moi, ça me va. Ensuite, les bottes, protection contre le feu 3, solidité 3, agilité aquatique. Donc Death Rider, ou quelque chose, voilà. Vous aurez compris. Et mending, et ces bottes d'ailleurs m'ont été données par monsieur MLDEG que je remercie grandement. Voilà. Hein. Parce que moi, sous l'eau, j'aime bien avoir l'agilité et avoir tout ce qu'il faut sous l'eau. C'est toujours le mieux pour moi. L'épée, pareil, solidité 3, butin 3, donc looting 3, tranchant 4. Et mending, je regarde si j'ai entendu un bruit, mais je crois que c'est la neige, non? Non, ça va. Pioche, nous avons efficacité 4, fortune 3, solidité 3 et mending, bien sûr, et dans le coffre. Donc, je me suis permis de prendre des patates parce qu'on en a masse au spawn, parce que j'ai fait un champ de patates assez grand et je récolte assez régulièrement, donc il y a plein de patates, donc je me suis permis de m'en mettre 3 stacks de côté, parce que dans les coffres là-bas au spawn, il y en a masse, et ça fait de la place justement dans le coffre pour en remettre d'autres. Pareil, les poissons, on en a masse. Donc, dans le coffre, non, c'est pas dans ce coffre, les amis, c'est pas dans ce coffre, c'est dans le coffre en bas, je vais vous montrer, en plus j'ai des choses à vous montrer dans le coffre en bas. Vous savez qu'on peut avoir des têtes avec les looting 3. Ah. Eh bien, je n'ai pas chômé. Donc là, déjà, j'ai la Silk Dissident, n'est-ce pas? Efficacité 2, solidité 2, toucher de soi. Et mending, bien sûr. Donc, qu'elle soit solidité 2 ou 3, ce n'est pas gênant puisqu'elle est mending. Donc là, elle est un peu usée parce que le mending, je l'ai mis tout à l'heure. J'ai été faire du trade avec les villageois et j'ai mis le mending tout à l'heure. Donc, elle est un peu usée. Et puis, sur une seal touch, le mending, comme le mending utilise les points d'XP, ce qui est recommandé. Donc, moi, comme vous le savez, sur les épées, j'aime pas avoir l'aura de feu parce que ça cuit la viande instantanément. Et moi, j'aime bien récupérer l'XP quand on cuit la viande. Pour récupérer un mending, justement, quand vous faites la cuisson, vous vous déséquipez de tout ce qui est mending et vous prenez juste votre silk dissident. Donc pour moi, la silk touch mending, quand vous faites cuire et quand vous récupérez dans le four, vous la prenez en main et ça la répare tout simplement. Voilà, l'arc aussi est mending, hein, les amis. Hein. Puissance 5, solidité 3, flamme et frappe 2. Donc s'il vous plaît. Donc les têtes, la tête de fantôme m'a été donnée par monsieur MLDEG et je l'en remercie grandement. D'ailleurs, si j'ai deux têtes de dronehead, s'il veut une tête de dronehead, je lui la donnerai avec plaisir. J'ai eu la tête de saumon, la tête de cod, la tête de morue donc. Hein. La tête de dauphin, eh oui, j'ai dû tuer du dauphin. Désolé neige. La tête de squid. Et donc, la tête de fantôme qui m'a été donnée par monsieur MLDEG et la tête de pig. Voilà. Donc, on peut les avoir uniquement avec looting 3. J'ai eu looting 3. Donc, j'ai passé du temps dans l'eau
à chasser tout ça, tout ça. On va remettre notre armure, donc, avec, hop, bouclier, on va le laisser là. Je vous avais donc posé une question à laquelle mon ami Ugeblède a répondu. Qu'est-ce que vous préférez sur le toit? Et il m'a dit, ce qui serait le mieux, ça serait de faire comme Dissident, si on peut mettre des plaques de pression du couleur du bois. Et on peut, hein, évidemment. Voilà, les plaques de pression de couleur du chêne noir. Donc on va mettre les plaques de pression, tout simplement. On va continuer notre toit. Donc j'hésitais à faire un escalier à l'envers et deux escaliers à l'endroit. Mais un escalier à l'envers, ça voudrait dire qu'il faut... Alors attendez, on va tester quelque chose pour éviter de faire trop symétrique, les amis. On va tester quelque chose. Déjà, je vais faire pas mal d'escaliers. Vous voyez que j'ai rapatrié le bois de chêne noir ici. Il était derrière, dans la petite grotte. On va faire pas mal d'escaliers et pas mal de dalles et pas mal de dalles. Les plaques de pression, on les fera après. Donc on va mettre les plaques de pression comme me l'a suggéré mon ami UGBlade. On mettra les plaques de pression, mais on les mettra à la fin. Pas tarder à faire nuit. On va tenter de se coucher. Tac, tac, tac. Hop là, voilà, parfait. Le lit est trop blanc, les amis. Il hein. Faudra que je colore tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Je pense faire peut-être un lit marron pour faire peut-être un lit en peau de bête. Pourquoi pas? Ça pourrait être marrant, non? Évidemment, avec l'imaginaire. Si je faisais comme ça, les amis, hein? Là, ça s'enfonce, on le sait. Hop, si je laissais enfoncer. Après tout. Après tout, après tout. Attendez. Tac, et on reprendrait comme ça. Là, bien sûr, on y mettrait une plaque de presse. On va laisser. Faites voir. On va les changer, celle-là. Aussi. C'est une bûche en sapin, mais justement, adaptation, les amis. Adaptation. Voilà, on les changera après, hein, quand j'en ferai. Si je fais comme ça, les amis. Alors, je pense que UGBlade me donnera son avis avisé et j'espère qu'il me donnera son avis avisé et que là, ben, je repars en normal. Hein. Donc là, comme ça. Hop, là, c'est ça. Et puis là, ben, on tombe là. Donc pareil, hein, là, paf, paf. Et là, on repartirait normal. Donc je vais mettre les trappes d'or. Les trappes d'or. Les dalles, pardon. Non, c'est quoi là? Non, c'est un... On va changer ça, voilà. Non, oui, c'est une dalle, mais en bas. Pourquoi elle s'est mise là? Voilà. Non. Je ne sais plus comment j'ai fait, les amis. C'est embêtant. Ou alors j'ai mis qu'un truc, tout simplement. Ah, mais non, c'est un bloc. Il n'y a pas de... C'est un bloc et l'escalier qui vient par-dessus. Donc là, on en mettrait deux, comme ça, puisque là, il y en a deux.
et qu'on finirait par 2. Faites voir d'ailleurs. On va calculer. Tenez, on va calculer. On va mettre des torches là où c'est censé être à l'envers. Donc 2 à l'envers, n'est-ce pas? 1, 2 à l'envers. Ça va être... on va monter sur le... sur la poutre, vous allez voir. Bien. 1, 2, hop, à l'envers. 1, 2, à l'envers. Parce qu'il faut savoir si on peut le faire aussi. 1, 2, à l'envers. Et 1, 2, à l'envers. Ouais, ça pourrait le faire, les amis. On va les laisser en pense-couillon pour voir. Vous le savez, mes fameux pense-couillons. Tac. Donc, on mettra les plaques de pression à la toute fin, les amis. Voilà, hop, voilà. Et là, donc, ça serait à l'envers. Ça casserait un petit peu le haut du toit. Enfin, moi, ouais, ça serait pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Et si vous aimez bien, on laissera comme ça, sinon je remettrai, c'est pas un souci. Tac, tac. Donc, là, ah non, là, ça serait escalier, ça serait pas pressure plate. Ça serait escalier, les amis. Regardez. Là, c'est escalier, simplement, c'est escalier en bois. Oui, je vous les avais mis là pour vous montrer, ouais, les trappes et les trucs comme ça. Mais là, c'est bien escalier, les amis. Hop, on va le mettre. Tenez tout le long. Hop. Je vous les avais mis là pour vous montrer. Mais ouais. Là, c'est escalier. Tac, tac, tac. Mais oui, on mettra des... pourquoi là, c'est comme ça? Parce que c'est pas un escalier. Que c'est une dalle. Voilà. Donc là, c'est escalier. Hop là. Là, donc c'est bloc dalle. 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 Escalier. Bloc, escalier. Et donc là, on peut finir notre toit, du coup, avec ce qu'on a récupéré. Hop. On va le mettre à la place de quoi? Oh, oh, des flèches, on a 64. Pareil sur un arc, je préfère qu'il puisse se raccommoder, enfin, le mending que l'infinité. Parce que les flèches, c'est pas si contraignant que ça à fabriquer. Faut juste du silex. Ah, y en a pas tellement que ça de zones spawnables finalement, les amis. Faut juste du silex et faut juste du silex et des plumes, quoi. Donc voilà, quand tu as des poules, les plumes tu les as hyper facilement, et puis le silex c'est pas si con que ça à avoir. Et hop, et en plus tu peux dropper, peux récupérer tes flèches sur les sur les squelettes la nuit, quoi.
Car le gravier, c'est pas difficile à avoir non plus. Après, faut farmer, voilà. Et je sais qu'il y en a qui ont la flemme de farmer. Je le sais. Je le sais. Pourtant, Minecraft, c'est un jeu de farm à l'origine. Donc oui, on va pas revenir sur les usines, patati, patata. Ouais, mais il y a des usines maintenant, patati, patata. D'accord. On a des usines. J'avoue que je me suis servi aussi d'une usine. Bah ouais, ah merde. Oh. Attendez. Là, ça serait donc à l'envers ici. Je me suis gouré. 3, 3. À l'envers. Et ça ferait. Alors attendez, je vais refabriquer des trucs. Ouais, le fait d'à l'envers, ça. Oula. Ouais, je peux plus ressortir par où je sortais avant. Voilà. Petit peu pareil. On va refabriquer des escaliers. Je vais recalculer tout ça, les amis. Oui, je me suis servi de l'usine qui est au spawn parce que pour un enchant, il me fallait 37 levels et j'en avais que 17. Waouh! Donc du coup, ouais, j'ai craqué. Donc je ne crache pas totalement sur les usines, ça peut être. Mais moi, je m'en sers qu'en cas d'extrême urgence. Hop là, voilà. Ouais, quand vraiment c'est. Là, vous savez, par exemple, sur Dissident World, on perd rien. Il y a le Keep Inventory, on perd rien. Donc, c'est pas gênant de mourir. Quand vous êtes sur Ragna, ça devient plus gênant parce que on perd le stuff. Voyez ce que je veux dire? Quand on meurt, on perd le stuff. Donc, ça devient un petit peu plus gênant de mourir. Donc, là, en cas d'extrême nécessité, les usines peuvent entrer en. Ouais, en 2, 2, 1. Alors, attendez, est-ce qu'on a un milieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va calculer, les amis. On est là pour tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4. Et là, ça serait le milieu. Faire comme ça et que là je peux me gourer totalement encore les amis hein, mais on est là pour tester, on est là pour tester les amis. Et que là tac je mets lui là et là non ça va pas, on va laisser conventionnel du coup et dommage. Ou alors on va tester un endroit à envers, tout simplement. Tout simplement, les amis, et les deux à la fin. On laisserait donc les deux à la fin. Tac,
sac. Voilà, c'est pas mal ça, regardez. On a les deux à la fin pour faire l'ouverture comme ça, et ensuite un en droit, un en vert. Hop là, hop là, hop là. Tac, nickel. Nickel, les amis, on y est arrivé finalement, hein, vous voyez. Non. Ouais, il y en a 8. On va en fabriquer d'autres, vite fait. On va sécuriser. Hop. Est-ce qu'on peut de là? Oui, on est fort. Voilà. Tac. Après, il faudra que je farme pas mal de bois, donc. Tac. Tac, voilà. Alors, on va vérifier. Donc, mais je crois qu'il n'y a pas de zone spawnable. Non. Même là, oui, c'est une dalle. Nickel. Là, par contre, il faudra que je réduise parce que si Creeper spawn ici, Creeper tombe sur le toit. N'est-ce pas? Mais maintenant que j'ai une seal touch, je vais pouvoir récupérer je vais pouvoir récupérer et stocker pour faire mon couloir du Nether quand j'aurai mon biome. J'ai pas encore trouvé mon biome, les amis. Je vous le dis. Je ne sais pas encore où je vais m'installer, les amis. Dramatique, n'est-ce pas? C'est pas dramatique. On trouvera, les amis, on trouvera. Voilà. Ensuite, ici, c'est tout en dalles. On va mettre tout en dalles. Andale, andale. Hop là. Voyez, c'est pareil. Si vous voyez dans le décor naturel, si vous voyez que des plaques de neige se forment quelque part, c'est que c'est des endroits spawnables. Faire notre petit toit tranquillement. J'espère qu'il vous plaît en attendant ce toit. Je suis assez content car UGBLED m'a dit qu'il était pas mal. C'est pas évident de faire les toits nordiques, les amis. C'est pas évident. C'est des toits assez spécifiques, les toits nordiques. Et c'est vraiment, vraiment pas évident. J'espère avoir assez d'escaliers. Parce qu'il me semble que je n'ai plus du tout de bois de chêne noir. Est-ce que j'en avais dans le coffre ou pas? Je ne sais plus. On va passer ces deux blocs-là. Et pao. Sinon, on mettra des dalles. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Maintenant, je suis obligé de passer par l'extérieur. Vous vous rendez compte un petit peu? Hop là! Obligé de faire tout le tour. Tout le tour. Le tour. Là. J'en ai plus. J'ai deux poulets. Alors, le poisson, c'est bon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux hein, pour la saturation, les amis. Le mieux, c'est le bœuf. Le mieux, c'est le bœuf. Hop, on commence à être protégé, dites donc. Ah si, ouais, j'en ai, les amis. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit que j'en avais? Oh. Ah, je vous jure.
Hop, voilà. Donc, on va remonter. On peut remonter. Non, pas par là. Si, par là. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le tente? J'aurais pas dû, hein. Ça non plus, vous me l'avez pas dit que j'aurais pas dû. Je me demandais pourquoi je pouvais plus avancer. Forcément, quand tu es contre un bloc, ça marche beaucoup moins bien. On va remonter, puis faire un petit passage de bouse. Hein, tout simplement, le fameux passage de bouse, les amis. Le fameux échafaud bouse. Voilà. Ouais, il faudra du sapin là. Ah, il faudra que je le mette là-bas aussi, alors du coup. Ah! Je fais une petite ellipse, les amis. J'ai un appel téléphonique. Je reviens tout de suite, les amis. Bon, bah finalement, j'aurais peut-être pas dû arrêter l'enregistrement. Le temps d'arriver au téléphone, ça avait raccroché. Et comme il n'y a pas de message laissé, je pense que c'était de la pub. Ils font chier avec leur pub. Même au téléphone, ils viennent vous emmerder avec la pub. Moi qui ne regarde plus la télé depuis 8 ans à peu près. Hein. Ouais, ça fait bien 8 ans que je regarde plus la télé. Il faut quand même qu'on vienne m'emmerder avec de la pub au téléphone. Tu auras ta pub quand même. Oh là 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 là. J'ai qu'une envie, hein, c'est de leur dire, comme le dit si bien French Wrestling Beast, go fuck yourself. Voilà. Tout simplement. J'ai pas besoin de pub. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux m'acheter. Je sais. J'ai pas besoin de pub. Foutez-moi la paix avec votre pub. J'ai pas besoin qu'on m'incite à acheter la dernière connerie de chez. J'allais être grossier, mais. Mais ben oui, la dernière connerie de chez Mes Couilles Mickey, hein? C'est pas un trash sur Disney, hein, rassurez-vous. C'est la fameuse blague McDonald's, Mes Couilles Mickey, hein? Voilà. Tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, bah, faites-vous la raconter, hein, je vous la raconterai pas là. Mais voilà, j'ai pas besoin qu'on me dise, ah oh ben tiens, il y a un nouveau machin chose, donne-nous ton pognon, mon ami. Aboule ton fric. Non. Je sais ce que je veux m'acheter, je sais de quoi j'ai besoin, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne me pourrir en pleine vidéo en plus, hein. En me disant, tu as besoin de ça. Non, pas besoin. Je suis très bien comme je suis. Laissez-moi vivre en ours mal léché. Non, mais. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Mais, ceci dit, les amis, je suis en train de réfléchir avec ça, si j'aurais pas mieux fait de mettre un bloc, parce que on va partir, en fait, sur un renfoncement ici. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, il faut que je sorte. Je mettrai la poutre après. Vous allez comprendre. Là, on va mettre ça comme ça. Donc là, après, bah, je vais poser les torches au cas où.
C'est là où je me dis que, ouais, je vais peut-être mettre. Tac. Un bloc. À moins que je le laisse comme ça, mais est-ce que ça justifierait. De toute façon, ça sera obligé d'être comme ça. On va pas faire de vitre. On va pas faire de vitre. Je vais le mettre de côté, ça. On va voir comment ça donnera. Donc, je ne sais plus où j'en étais, Derek. Hein. Je l'ai arrêté sauvage. On va faire. Là, on est à 4 minutes. On va faire une vingtaine de minutes. Si l'épisode fait 40 minutes, c'est pas bien grave. Les amis, c'est pas bien grave. Comme je le dis, qu'ils aillent se faire. Papa outé. En papa outé. Voilà. Qu'ils aillent se faire en papa outé. Parfait. Attendez. On va en profiter pour prendre. Est-ce que j'ai. Là, nickel, j'ai même de la dalle toute prête. On va mettre la dalle, les amis. On va mettre un bloc. Comprenez pourquoi dans le Nether, je fais toujours des passages de 2? Parce que si je fais passage de 1, je finis bien souvent à la baille. Enfin, à la baille. Dans la lave, surtout. Ensuite, ensuite, les amis. C'est pour donner un petit côté, un petit côté relief, voyez-vous. Voilà, petite fioriture, on va dire, pour donner un petit côté relief. J'essaye de. Ah oui, là il faudrait. D'accord. Ouais, bon, on peut remettre. Oh, on va remettre de la dalle, c'est pas bien grave. Tac. Et puis là, ben on va couvrir tout simplement. Hein. Je ne veux pas mettre de fenêtre là, les amis, parce que déjà, ça va faire vachement haut. Vous en conviendrez. Ça va faire vachement haut. Et je veux mettre ici, là, un truc qui pendouille et qui. Une lumière qui va venir juste ici. Je vais pas mettre de fenêtre. Ah. On aura l'occasion de monter et d'y re-regarder, les amis. Au cas où, on aura l'occasion de monter et d'y re-regarder, les amis. Après, comme je le dis, si l'ami UG Blade a des suggestions, elles sont les bienvenues. Parce que les toits nordiques, c'est vraiment pas. Je vais défaire tout ça. C'est vraiment pas facile à faire.
C'est particulier le toit nordique. On va finir le toit nordique et on va finir notre toit et je mettrai fin à l'épisode. J'espère qu'il ne sera pas trop court. J'ai pas regardé à combien j'en étais avant de couper. C'est une erreur de ma part. Mais j'ai pensé que ça pouvait être mon papa au téléphone. Et dans ces cas-là, ben voilà, tu regardes pas. C'est ça qui me dérange, que ça tienne comme... Quoique non, parce que ça tient paf, 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 ça monte comme ça. Non, non, c'est pas dérangeant. Vous voyez, et là, par exemple, j'ai pas pris, je vais remonter, vous inquiétez pas. Hop, on va descendre à la... À l'homme qui tombe, à la façon de l'homme qui tombe à pic. Non, on va essayer de faire... Hop, descendre de moins haut. J'ai pas chute amortie sur mes bottes, et ça, je les mettrai quand je pourrai. Ça peut être hyper pratique. Je sais pas si les barrières sont là. On va regarder ça, les amis. Je pense pas. On va en faire vite fait. On va en faire vite fait. Hop. Surtout qu'il m'en faut pas des masses hein, de barrières. On va en faire 4. Hop. 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 Tac. Tac, tac, on récupérera. Boum. Voilà. Du coup, pour remonter, là, ça sert plus à rien. On va remonter par le bas, les amis. On va voir vite fait hein, comment je vais faire. Hop. J'ai l'impression qu'il va pas tarder à faire nuit. Je vois plus le soleil. Là-bas, il se couche, regardez. C'est le soleil rose, oui, les amis. C'est un soleil qui fait un peu rosé. Et je l'aime bien, ce soleil. Hop, parfait, 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 les amis. Donc, on va vérifier ce petit truc de lumière là, comme je vous le disais. Est-ce que je vais tenter, je vais voir s'il y a de la glowstone au spawn, les amis. Ouais. On va voir vite fait s'il y a de la glowstone au spawn. Sinon, je vous montrerai avec un bloc random et on ira prendre de la glowstone dans le nether. Soit j'irai en off prendre la glowstone dans le nether ou soit on ira ensemble, je ne sais pas. On verra ça. Je verrai ça. Comment. Comment je vais gérer ça. En attendant, on va voir si on n'a pas par là de la glow. On peut voir tout ce qu'il y a. Peut-être là. Attendez. Là, ah, il n'y a que 3 blocs. Hein. Ah, là, il y a 26 poudres. Je me permets de prendre un bloc. Je me permets de prendre un bloc. De toute façon, j'irai dans le nether pour remettre. Hein. Je ne prends jamais sans remettre. Vous voyez ce que je vous disais pour les patates, par exemple. Je me suis permis de prendre 3 stacks parce qu'il y a tout ça de patates. Les non-cuites, c'est pour faire des trades avec les villageois, mais il y a tout ça de patates. Vous voyez, en poisson, regardez, on a hop, donc on peut se permettre de prendre tac, voilà, parce que du poisson, il y en a et il y en aura encore. Il y a tout ça de patates, je ne sais pas s'il y a des patates ici encore. Non, vous voyez, il y a toute cette chair putréfiée, c'est tous les dronettes tués, il y a encore un peu de poisson là. Donc, vous voyez qu'on est pas mal niveau patates. C'est pour ça que je me suis permis de prendre ces 3 stacks de patates, c'est au cas où
Bah, genre, c'est pas la, les poissons, c'est pas la nourriture qui sature le plus, donc. Au cas où je fais des trucs et puis bah j'arrive à manger mes derniers poissons. J'ai de la patate sur place, tout simplement, les amis. Je vais vous montrer un petit peu l'idée que j'avais. Donc avec ce glowstone, on va tenter de monter par derrière, peut-être. Ou se faire un échafaud sale. Un échafaud sale. Tout simplement, hein. On redescendra. Hop. Donc là, c'est mis en niveau bas. Donc dessus, je peux rien y mettre. Mais dessous, je peux mettre. Donc pas trop bas, vous voyez, à deux. Hop. Et là, on prend la glowstone, tout simplement. Et on y met là. J'ai posé les trappes d'or. J'aurais pas dû, mais les trappes d'or de chaque côté, mais pas en bas. Ni en haut. Bah, en haut, de toute façon, on peut pas. Mais que ça se voie qu'en bas. Mais les trappes d'or, ce coup-ci, les trappes d'or chocolat, on va dire. Les trappes d'or choucoula. Attends. On va en faire ici. Merde, on n'a plus la table de. J'ai tout emmené à l'intérieur. Je suis désolé, je vous fais courir, les amis, hein. Je suis vraiment désolé, les amis. Je vous fais courir. C'est pas bien. C'est pas grave. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on en a deux. On va en faire deux. De plus, tout simplement, puisqu'on n'en a besoin que de 4, hein, pour faire le tour. Vous allez voir. Donc ça fait, ouais, vous allez me dire, ça fait tablette de chocolat, mais ça peut faire pas mal. C'est un test, hein, donc vous me direz ce que vous en pensez, pareil, hein. Vous connaissez les bails, et moi j'agis après en fonction de vos retours. Évidemment, il faut que je me foute sous un glacier, hein. J'ai voulu me déporter un peu pour pas être dessous, pour pouvoir mettre convenablement les trappes d'or, mais non. Ah! Pourquoi tu te mets pas? Ah, oh là là, pourquoi tu te mets pas? Si tu prenais tes trappes d'or au lieu de prendre les plaques de pression, ça serait beaucoup mieux, non? Là, là. Là, ça se met. Ah, putain, je te jure. Voilà. Comme ça. Et on laisse en bas, hein, pour bien signifier que c'est une lumière, hein, tout simplement. Donc, comme j'ai une pelle magnifique qui s'appelle mon pain. Hein. Hop là, n'oublions pas de faire le petit détour. Là, on casse tous les points. Voilà. Très bien, ça va, je suis protégé, j'ai mes mitaines. Donc voilà, ça serait comme ça, en gros. Ça viendrait comme ça. Est-ce que le toit vous paraît bien? Est-ce que le toit vous paraît pas trop plat? Moi, je vois des trucs à rajouter. Et on va, j'en suis à combien là? 17. Allez, on va le faire vite fait. Je vois des trucs à rajouter. Je vois des trucs à rajouter. Et bah voilà. Hein. UG Bled, tu me diras ce que tu en penses. Puis vous aussi, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Tous les avis comptent. Mais je vois des trucs. Par exemple, là, c'est trop plat. Là, c'est trop plat. Vous allez voir. On va laisser la poutre en haut, mais dans un souci. Alors attendez. Je vais me déporter parce que sinon, si on ne met pas droit, droit, quelquefois, les escaliers, c'est pas ça. Voilà.
n'est-ce pas? Et est-ce que si je mets ça comme ça, en dessous, est-ce que ça ferait mieux? Ça casserait, puis là, on a ça qui est là, et là, on vient directement ici. Hein, on peut laisser ça comme ça. Donc, voilà, je vais me servir de ma pelle formidable qui s'appelle mon coin pour redescendre. Voilà, tout simplement. Et voilà, ça ferait comme ça, en gros. Dites-moi ce que vous en pensez, avec un petit éclairage là. Voilà, dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. Je vais essayer de remonter en haut pour vous faire voir et pour vous dire au revoir d'en haut. Oh, mais ça monte pas, comme par hasard. Dites donc. Je ne sais plus comment j'étais monté. Ben écoutez, je vais refaire la petite tour de bouse. Hein. Vous aimez bien ça. Hein. Vous aimez bien la petite tour de bouse. On va faire la petite tour de bouse. Et on va s'éloigner. Voilà, là on peut monter avec la petite tour de bouse. Tac, tac, tac. Évidemment, il faut qu'il y ait des glaciers qui me... Ah ! Mais non ! Oh là là, les amis, les amours, les emmerdes. Ouais, bon, j'ai fait le tour pour rien. En gros, et si je m'éloigne juste ici, ben voilà. Regardez un petit peu le toit, ce que ça donne sous différents angles. Ça fait plus relief, là. Vous me direz, je ferai l'autre côté... D'après vos retours, vous me direz, on peut peut-être aussi, par souci de relief, toujours mettre des petits boutons. Ça fait toujours bien les petits boutons, ça fait toujours relief les petits boutons. Et on a l'impression qu'il y a des rivets qui se sont mis sur... On a l'impression que c'est riveté, n'est-ce pas? Non, là c'est escalier dalle et là c'est escalier dalle aussi. Parfait. On a l'impression qu'il y a des petits rivets hein, qui sont dedans, donc que ça tient la structure. Et ça, c'est pas négligeable, les amis. En tout cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de ce toit, de tout ça. Je vais, on va se dire au revoir rapidement avant que ça spawn, les amis. Hop, voilà, tac, le F5. Nom de Dieu, ça va tomber vite, j'ai l'impression, la nuit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.